Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de One Piece Burning Wheel. Comme vous l'avez vu, il y a déjà eu pas mal de youtubeurs et plus précisément là une l'une des plus grandes chaînes qui teste des jeux mobiles, qui n'est d'autre que Game Mobile Test ou un truc comme ça, qui teste de nouveautés mobiles. Et là, ils nous ont annoncé une version anglaise de One Piece Burning Wheel. Plus précisément, c'est une fan trad, du coup une traduction qui a été faite par des Anglais. Et pour le moment, il est en bêta fermée, si je ne dis pas de bêtises. Et il compte ouvrir les serveurs très bientôt, dans les prochains mois. Et on va aller tester ça de suite. On va aller dès le jeu tranquillement. On est sur le site. Je vous mets le site également. Dans vous connecter, vous créez un compte, sign up, etc. etc. Du coup, on coupe ce petit passage. Du coup, on se retrouve sur BlueStack, petit émulateur tranquille. Comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'aller sur le site op.rom.land et le jeu est tout simplement a été fait par la communauté. Du coup, ce n'est pas officiel. Pour ceux qui ne le savent pas, ce jeu a été développé par Bandai. Et qui est disponible seulement en Chine. Du coup, ça sert à rien de me demander est-ce que ça vaut le coup de payer ou non. Ce jeu n'est pas officiel pour sa version globale. Je reste sur cette réponse. Ok, on est ici. Une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Get it on. Soit sur Apple Store, soit sur Play Store. Et là, normalement, c'est en train de se télécharger. Ça devrait download. Ok. Voilà l'APK. Il met un peu de temps d'ailleurs. Bon, on est dans les téléchargements et je vois que ça va prendre un peu de temps. 1 heure. Bon. Non, ça devrait même pas me prendre 10 minutes, mais. Heure. Pas grave. Du coup, on va laisser en off. Et au pire des cas, on va basculer sur. Ça. Parce que ici et en tout cas bon voilà c'est bon voilà on est ici et on va décaler sur YouTube on va taper One Piece Burning Wheel. Alors, ah oui, c'était le gaming mobile. C'est lui qui c'est sur lui que j'avais vu la vidéo. Il est là, tout est là. Tous les liens sont dispo. Dans tous les cas, vous avez juste besoin de vous créer un compte sur leur site pour pouvoir y jouer. Je sais pas si ça lag ou quoi, mais pour le moment, ça m'a l'air d'être super fluide. Ils ont dû prendre une énorme équipe de développeurs derrière pour que tout soit clean. Et vraiment, c'est cool. Bon, après, ça va pas servir à grand chose, mais je mettrai dans la barre de description le lien de sa vidéo pour ceux qui veulent voir. Il commente pas, hein, il fait que présenter des jeux sans micro. Ceux qui veulent savoir. Sur ce, je vous dis ciao à la prochaine. Il y aura sûrement dans les jours qui suivent une vidéo test du jeu. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace, prenez bien soin de vous.